tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing avec la boutique DIY Digital Art. Alors, on a aujourd'hui, excusez-moi, deux broderies, voilà, et un DP. Alors, les broderies, c'est une... Alors, il n'y en a que deux, c'est une série avec deux. j'en ai pas vu d'autres. Là, ça faisait déjà un bon moment que je les voulais. Et il y était des moments où je les avais demandé, mais c'était plus en stock. Pas, peut-être pas dans cette boutique-là, mais dans les autres. Et là, j'ai réussi à les avoir, mais ça fait vraiment très, 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 très longtemps que je cherchais à les avoir. Alors, je vais me mettre face bureau pour vous montrer tout ça, plus en détail. Et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, je vais vous présenter donc pour commencer le diamond painting. Donc c'est un diamond painting en perles rondes, c'est un 40-30. Alors on va d'abord avoir le petit toolkit hein, comme d'habitude. Et on a les perles rondes dans les sachets zippés avec le petit diamant. Voilà, alors je vous montre les couleurs. Donc il y a des belles couleurs, hein, bien... Il y a du rose, pour celles qui aiment le rose. Alors, je vais peut-être enlever le flash. Non, pas du tout. Alors, attendez. Oui, c'est mieux. On a une luminosité merdique. Désolée du mot, mais c'est la vérité. Et il y a du rose, il y a du... Alors ça, c'est un vert, vert poubelle. Ici un joli rose, rose bébé. Un vert pomme. Un vert sapin. Encore un rose. Du gris, du vert, joli vert pâle, et pour terminer, un bleu gris. Voilà pour les couleurs. Alors, le DP, maintenant. Oui, on dirait fifille. Alors, c'est un petit chat, voilà, qui regarde les fleurs. Alors, on a 24 couleurs. La légende est faite avec des chiffres et des lettres majuscules. Voilà, donc vous retrouvez la légende ici en haut à gauche et en bas à droite. Je vous montre la légende déjà. Alors, si ça arrête de flouter, voilà. Le premier chiffre, c'est le chiffre qu'il y a sur les sachets. Le deuxième, c'est le symbole sur la toile. Et le dernier, c'est les références DMC. Donc, voilà. Vraiment désolée, hein, mais j'essaie de faire au mieux pour que vous voyez bien. Pas de 310, pas de 5200, pas de 939. Voilà. Alors, niveau impression. Alors, on va regarder ici en bas déjà. Et... Ah, ça fout. Je suis désolée. Alors,
Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est une catastrophe cette lumière. Niveau colle, ça colle. Et niveau impression, c'est très très bien. Alors ici en haut, vous retrouvez la référence du DP et sa taille, 30-40. Par contre, sur les sachets, vous ne l'avez pas. Hein, d'accord. Comme pour celles qui rangent les perles à part du DP. Dans ce cas-là, il faudra que vous remettiez la référence sur le paquet des perles. Voilà. Je trouve très joli. Je ne sais plus comment mettre ma lumière. Je le trouve vraiment très joli. Les couleurs très douces. Il va être très très beau, je pense. Voilà. Avec un petit papillon, là aussi, vous avez vu. Non, il va être très beau. Alors, ce petit DP, le chat en fleurs, perle ronde 30-40, est à 5,25 $. On continue avec les broderies. Donc, voilà les deux broderies que j'ai pris. Donc, ça fait déjà, je vous dis, un petit moment que je les voulais. Il y a quelqu'un qui les a reçus aussi il y a quelques jours. Je crois que c'est Jackie. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Jackie qui les... Alors, je ne sais plus si elle a reçu les deux ou si c'est que celui-là. Mais je sais qu'elle les avait eus également. Donc, celui-là, c'est le lemon, donc citron, et le cinnamon. Donc, cinnamon, je crois que ça veut dire la cannelle. Voilà. Alors, ce sont des Joy Sunday. Alors, comme je dis depuis quelques jours, j'espère que la qualité est là, parce qu'il y a une baisse de qualité dans les kits de chez Joy Sunday. Voilà. Je crois que ça ne doit plus être fabriqué au même endroit ou je ne sais pas, mais bon, il y a comme qui dirait un souci. Excusez-moi, j'essaie de vous remettre droit. J'essaye aussi de vous mettre de la lumière. Voilà. Alors, on a les pochettes comme d'habitude. Hein, ça n'a pas changé. Voilà, bon, comment on brode, comment on relave sa toile et comment on la repasse une fois que c'est terminé. Et ici, en bas, vous avez les différents points que l'on peut rencontrer dans une broderie. Voilà, pas spécialement dans celle-ci, mais dans toutes les broderies, voilà, il y a des points qu'on peut retrouver. Alors, je vous remontre le dessin de plus près. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit peu de confetti ou... Non, je ne sais pas. Alors, là, c'est du... Ah tiens, c'est du 11CT. C'est pas courant chez Joy Sunday. Souvent, c'est du 14CT avec deux fils. Et là, c'est du 11CT. Voilà, c'est... Bon, d'accord. Alors, la taille, c'est 36/26, hein, taille complète. On a un patron, donc, en papier. Alors, c'est un papier un peu glacé. Donc, niveau impression, ben, c'est toujours nickel. Hein. Alors, on va avoir beaucoup de points arrière, hein, vous voyez. Mais bon, c'est pas ce qui me gêne le plus. Niveau couleur, on en a 34. Voilà. Donc, ici, on retrouve le dessin de la broderie. Et derrière, on a la suite. Alors, niveau impression... Voilà, sur le papier, ben, c'est nickel. Hein. Donc, vous voyez le point arrière, mais bon. Au niveau des tranches, ça va aussi. Bon, c'est pas confetti, hein. Non. Alors, ouh, les jolies couleurs. Alors, c'est citron, mais c'est quand même beaucoup d'orange, je trouve. Donc, je me demande si c'est pas plutôt des tranches d'orange que... Alors, hop là.
rappuie. Voilà, pour pas abîmer. Je vous montre les couleurs. Yeah. Donc, on a la plaquette qu'on aime bien, hein, voyez, avec le nombre de fils que l'on a. Donc là, c'est 3 fois 6 fils, 2 fois 6 fils, 1 fois 6 fils, etc. La référence DMC, ici, et là, la référence de la couleur. Voilà, et des fois, on a 0,5, mais 0,5, bien sûr, ils nous mettent un fil de... un fil avec les 6 brins de fil dedans, bien sûr. Alors qu'il en faut que la moitié. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Alors, les couleurs. Du jaune, bien sûr, du orange, du gris, du bleu. Là, des oranges et des rouilles. Du marron, de la vanille, du orange encore. Là, un marron un peu violet. Un gris très foncé. Un bleu ciel. Et ici encore. Alors, des gris. Des rouilles. Alors, des rouilles de toutes sortes. Un plus foncé. Plus rouge. Des marrons. Voilà, des beiges, un orange, et pour terminer sur la dernière plaquette, ah ben si on est un 310, ben je ne l'ai pas vu, ah c'est dans le point arrière, d'accord, ok, autant pour moi, voilà, un jaune pâle, un beige, un blanc, mais qui n'est pas le vrai blanc, et donc ici le noir, qui va servir pour les points arrière. Pour une partie des points arrière. Puisque les points arrière, il y a 3 couleurs en tout. Donc voilà pour les fils. Hop. Bien sûr, on a nos 2 aiguilles. Alors là, du coup, bah, c'est des aiguilles pour le 11CT, vous voyez. On le voit parce qu'elles ne sont pas pointues au bout. Ça m'étonne d'avoir du... J'ai jamais eu de 11CT en... Comment? En USMD, voilà. Ah, attendez, je vous... Excusez-moi, j'avais laissé le zoom. Donc, voilà la toile. Alors, elle est souple, pas du tout rigide. Alors, niveau impression, c'est là que ça va me titiller. On va regarder ça. Alors, déjà là en haut. Et on va regarder ici. Alors, là, ça a l'air d'aller. Oui. Bon, cette fois-ci, ça a l'air de d'être bien. Ah, ici, on a un petit point arrière, vous voyez. Il n'est pas toujours dessiné, mais là, on l'a. Ici, peut-être. Bon, non, ça va, je trouve. Bon, ça va, cette fois-ci. Donc, vous avez vu niveau impression. Bon, ben, cette fois-ci, ça va. Là, vous avez vos... Hop, je vous recule. Ici, la légende. Hein, voilà. Alors, ici, les légendes, ce sont que des symboles. Et oui, c'est ça, que des symboles. Donc, je vous les montre. Ça va, il n'y a pas l'air d'y avoir de grosses difficultés.
Alors, ici en bas. Et là, c'est pour le point arrière. Voilà. Bon. Ça va. Alors, vous retrouvez les références. Là, il y a un grand 9. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ici aussi, on a une référence. Bon, mais la taille n'est pas marquée, ni le 11CT. Voilà. Mais bon, on l'a sur le papier, donc voilà. Donc, bah, juste, alors faites attention, bah, du coup, quand vous recevez des Joy Sunday, enfin des pseudo Joy Sunday, parce que bon, bah, ce n'est plus vraiment les vrais, hein, puisque maintenant, vous voyez, en plus, on trouve du 11CT. Donc, si vous n'aimez pas le 11CT, bah, vérifiez bien que c'est 11CT ou 14CT. Voilà. Bon, je rangerai après. Le deuxième, alors je ne vous ai pas donné le prix, mais le prix est le même pour les deux, c'est 5,50 $. Voilà. Donc ici, c'est 11CT aussi, bien sûr. Donc là, c'est sur la cannelle. Il y a quand même des petites tranches de citron ou d'orange. Il y en a même une ici dedans. Là, il y a on dirait un chocolat. Là aussi. Bon. Niveau impression du patron, bah, ce sera encore la même chose. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, on va avoir beaucoup de poirières, hein, vous voyez. Niveau couleur, on en a 35. Et l'autre, on en avait, je vous ai dit combien, je ne sais plus. 34. Bon, on en a une de plus ici. Et voilà. Bon, ce qu'on va voir le plus, c'est le point arrière. Hein. Donc, si vous n'aimez pas le point arrière, bah, oubliez ce kit. Alors, niveau des couleurs, bah, ça va être pareil. Ah, par contre, on n'a pas les mêmes plaquettes. Donc là, ce sont les plaquettes toutes simples. Vous voyez ? On a nos deux aiguilles ici. Oh, j'étais hors champ, excusez-moi. Alors, les premières couleurs. Les voici. Le blanc, c'est pas le vrai blanc. Voilà. Et ensuite, alors, on va avoir le bleu pour le petit bocal. Des jolis bleus, des jolis marrons, des rouilles, encore plusieurs sortes de rouilles. Voilà. Du orange, du beige, un rose pâle. Et pour terminer, ici, on a le noir. Voilà. Alors, des marrons. Alors là, mais ces deux-là, de toute façon, les marrons, là, vous les avez. La gamme, hein. Voilà, en voilà encore ici des plus clairs ou plus foncés, enfin si on peut dire foncé, hein. Et encore, hop, il y a là toi, un vert et orange et deux sortes de jaune. Voilà, bon, des belles couleurs, hein. Bah, c'est la couleur de la cannelle. Hein. Ah, là, ils ont été. Ah, ben, je vais devoir les démonter pour les remettre sur les plaquettes. Alors, je vous montre pourquoi. Vous voyez ? Alors, hop, bien sûr, j'arrive plus à mettre mes doigts dedans. Voilà. Elles ont été pliées en deux. Alors, si je veux tirer un fil, ça va coincer. Donc, il va falloir que je refais toute la plaquette. Refaire mes nœuds et pour que mes fils ne soient plus pliés en deux. Parce que sinon, là, ça va me faire des nœuds quand je vais vouloir les enlever.
Et bien sûr, donc, la toile, comme tout à l'heure. Donc, vous allez retrouver vos références avec les symboles à droite, en bas, à gauche, en bas, à droite. Voilà. C'est du bloc. Hein. C'est du bloc. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de confetti. Oh là là, je suis désolée, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Alors, niveau impression, on va vérifier si c'est bien. Bon. Il y a l'air. Alors là, vous voyez, on voit le... Comment, le point arrière, mais bon, une fois qu'on aura brodé nos croix, de toute façon, on ne le verra plus. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air. Maintenant, est-ce que ça a la chanson, comme on dit? Non, mais je pense que ça devrait aller. Là. Alors, je vous montre les symboles. Il y a beaucoup de traits fins comme ça. Alors, comme ça, en flèche, flèche dans ce sens-là, en verticale. Mais bon, on devrait s'y retrouver. Là, beaucoup de couleurs uniformes. Et ici, on retrouve pour le point arrière. Bah écoutez, alors voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc 5,50 $ pour celle-là également. Je vous remontre ce que je vous ai. Hop, je vous dézoome. Alors, je veux dézoomer, voilà. Hop. On a notre petit broderie avec la cannelle. Ici, avec nos tranches de citron. Et là, ben, je l'ai déjà remballé avec le... Oh là là, on voit rien, on voit rien. J'en ai marre de ce... Bon, avec le chat, voilà. De toute façon, je vous remets les images à chaque fois. Je vous mets bien sûr en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires, c'est-à-dire le lien de la boutique, le lien de ces articles s'ils vous intéressent pour les retrouver. Au passage, dites-moi si vous avez déjà fait l'un de ces kits, que ce soit... Pardon, excusez-moi. Que ce soit en broderie ou en DP. Où est-ce que vous avez envie de les faire? Est-ce que des broderies avec beaucoup de points arrière comme ça, ça vous rebute, hein, que vous voulez pas vous lancer là-dedans? Ou alors, est-ce que le point arrière ne vous ennuie pas? Dites-moi tout. Et en attendant, moi, je vais déjà remercier beaucoup la boutique DIY Digital Art, voilà, avec qui ça se passe toujours très, très bien. La livraison a été rapide, hein, comme d'habitude. Je vous en ai pas, j'ai oublié de vous en parler au début. Mais j'avais fait mon choix le 17 novembre et je les avais reçus le 30 novembre. Vous voyez, même pas 15 jours après. Une douzaine de jours, voilà. Bon, par contre, là, je fais ma vidéo un peu en retard cette fois-ci parce qu'aujourd'hui, on est le 6, 7, voilà. Donc, j'ai mis une semaine pour faire ma vidéo, j'en suis désolée. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Allez, je vous fais à tous de gros bisous. Et nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.